Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Alors déjà, je voulais vous dire merci d'être là. Parce que vous vous faites un cadeau, parce que moi j'ai vécu un cadeau le 8 mars 2020, et j'en ai pris plein la vue, j'en ai pris plein le cœur, et ça m'a porté dans mon engagement que j'avais déjà à titre perso, et beaucoup plus loin, et là aujourd'hui devant vous. Alors aujourd'hui, si je suis debout devant vous, et vivante et vibrante, jusqu'au bout des doigts, c'est pour porter ma voix de l'as de cœur qui bat le roi et toujours le poing levé avec mon engagement de cœur. La vie m'a donné une seconde chance en fait cette année. Elle m'a fait un cadeau sacrément mal emballé. J'ai appris mon cancer du sein le 8 mars de cette année. Et ça m'a redonné une seconde vie. L'envie de m'ancrer dans mon cœur de femme, mon cœur de mère. Et ça fait écho avec le 8 mars 2020 du Zénith. Et je te remercie de me laisser cette possibilité de partager ça, de partager comment guérir. Et je dis bien guérir, parce que c'est important la joie. Et la joie de l'amour, l'amour inconditionnel. C'est celui-là qui fait que c'est puissant et que je suis debout parmi vous. L'amour inconditionnel d'un père qui a allumé mon feu depuis le premier jour, de ma fille qui est mon second souffle éternel, et de mes amis, mes fratés, c'est Marseille bébé, ils sont pas là, mais ils sont dans le cœur. Voilà, hein. Genre, la musique fait partie de ma vie, donc je précise. Quand j'écris ce texte, je me lève avec la musique, je me couche avec la musique, c'est toute la journée. Donc j'ai emprunté quelques mots qui vont vous être familiers, mais qui m'ont permis d'écrire ce que je suis en train de vous raconter comme histoire de cœur, en fait. Et l'amour inconditionnel de cette amitié qui fait qu'on me dit « Never give up, you rock my world ». Et j'ai dit « Ok », parce que vos mots, vos sourires m'ont sauvé la vie en fait, et ça fait que je suis debout devant vous, et vous êtes tous des héros et des héroïnes du quotidien qui m'ont nourri mon cœur en fait. Les héros du quotidien dont je vous parle, c'est aussi la puissance du lien d'amitié et la puissance de la rencontre en fait. C'est un amour qui est universel, l'amour fraternel. Et j'ai eu la chance, grâce à Tatiana, que j'ai rencontrée dans ce groupe d'Éclore, il y a peu, qui est là, qui m'a dit « Tiens Virginie, qu'est-ce que tu fais le 30 au soir ?» Et le 30 au soir, c'était le stand-up des jeunes des apprentis d'Auteuil. Et ces héros du quotidien, je les ai vus en fait. Les apprentis d'Auteuil, c'est une association que j'accompagne à titre personnel et à titre professionnel. Et je remercie mon entreprise, que je ne citerai pas, qui me permet d'accompagner ces jeunes et de leur donner un second souffle. J'ai été touchée en plein cœur lors de ce stand-up par ces jeunes et ceux qui les accompagnaient, parce que c'était cette puissance d'amour fraternel qui est universelle et qui est inconditionnelle aussi. J'ai été touchée aussi par la transmission, leur témoignage qui était fort, et la transmission des valeurs qui sont de soutien, de cœur, de solidarité, de respect et de confiance, qui sont formateurs, réels détonateurs pour s'ancrer dans la vie et un beau catalyseur pour avoir envie de guérir comme j'ai pu guérir moi aussi, et d'avoir une belle vie en fait, de guérir de ses parcours de vie. Donc je voulais les remercier en fait, tous ces héros du quotidien. Je voulais remercier cette puissance du lien d'amour inconditionnel et universel. Leurs mots, leurs sourires, leurs larmes ont sauvé des vies. Leurs combats nous ont appris à encaisser les coups et toute votre persévérance à nous remettre debout.
À tous ces héros, malgré eux, je voulais leur dire merci. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci en vous partageant ma philosophie de guérir. Les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance, d'avoir été bercée par mon père, grand fan de Johnny. Voilà. Et j'ai choisi ce petit refrain qui est « Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie, l'envie d'aimer. » Je vais inviter ma fille à me rejoindre sur scène parce que si je suis debout, c'est grâce à elle. Merci. Ah, elle s'appelle Nolwenn. Elle a 15 ans et demi. Et c'est ma vie. C'est mon cœur. C'est mon petit souffle. Voilà. Et je voulais la remercier devant vous tous parce que c'est un sacré petit bout de femme. C'est une future citoyenne. Elle l'est déjà. Elle est engagée. Et elle est avec le cœur. Et elle me l'a offert pendant ces 9 mois. Parce que ça a démarré le 8 mars et ça s'est arrêté le traitement pour moi. Le 8 décembre. Donc maintenant, c'est la suite.